Bonjour à tous, bonjour. C'est bon, on est bon. Donc si les chats veulent bien ne pas intervenir, ça serait cool. Première vidéo, donc je vais pas être du tout à l'aise, du tout. Mais il faut vraiment que je vous parle du projet La Maison 1900. Vous avez dû voir passer des premiers visuels, etc. Donc en fait, on est voilà, on a signé le compromis, on a signé... on a l'offre de prêt, on attend maintenant que les notaires fassent leur recherche, etc. Et puis on signera l'acte sûrement en septembre. Depuis 2019, on est rentré, on a enchaîné les boulots. Mais on s'est dit, il serait peut-être temps un petit peu de se poser. se poser, on a 12 mois de travaux. Enfin, en tout cas, on va essayer de se poser à Nevers. On a un jardin, une maison à retaper. Et donc là, on est parti sur 12 mois de travaux. Il y a tout à refaire, tout. Vous allez voir, avec le plaisir, le smile qui nous attend. Donc la maison a été créée en 1900 sur un grand champ d'herbes hautes, d'après le cadastre napoléonien, et a tout de suite eu deux appartements dedans. Donc c'est un peu spécial comme maison parce qu'effectivement il y a deux appartements. Donc il y a deux compteurs d'électricité, j'imagine qu'il y a deux compteurs d'eau. Et donc on va devoir réunir tout ça dans un seul bâtiment. Le rez-de-chaussée, on démolit tous les murs non porteurs. Au premier étage, rafraîchissement, électricité, gaz, chaudière. Au dernier étage, on a tout le toit terrasse à reprendre, puisqu'il y a un problème Et au troisième étage, il y a un problème d'étanchéité sur le toit terrasse. Donc on doit tout reprendre pour que ça soit étanche. Parce qu'actuellement ça tombe je ne sais pas où entre deux murs et donc le bois est en train de s'effriter, donc on a tout ça à reprendre. Les tapisseries, les peintures, l'électricité également. Le jardin est tout à reprendre aussi. La façade est en parfait état. D'ailleurs j'ai trouvé une petite carte postale, je vais vous la montrer. Hop, je vous la montre, carte postale. Donc c'est une carte postale de 1910-1915. Et effectivement on voit la maison qui est ici. Alors en fait ici vous voyez il y a une cheminée, bah, c'est la maison, voilà, c'est la maison, donc on voit pas très bien, mais ça fait rire d'avoir trouvé une carte postale de 1910 avec la maison dessus, donc qui était quand même électrifiée à l'époque avec les cycles Clément, donc vendeur de bicyclettes à l'époque. Et à l'arrière donc on a la lettre du monsieur qu'il a envoyé. Donc c'est un monsieur qui dit: cher frère, depuis hier soir 6h, je suis à la caserne, je commence à bien avoir le cafard, car malgré que l'on est bien vu, ce n'est pas la vie civile. Demain nous partons à 1h30 pour Marseille. Si j'ai le temps, je vous écrirai de Marseille. Je t'embrasse bien des fois en attendant de vous revoir tous. Marcel Lombard, 95e infanterie à Nevers. Donc voilà. Donc une petite carte postale assez rigolote. Il y en a une deuxième qui devrait arriver mi-août. Ici, vous avez l'hôtel de la Nièvre qui était connu en 1910, début du siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est juste des habitations qui sont inscrites. Donc voilà, vous voyez que l'histoire de cette rue nous passionne. Là, on a demandé aux archives départementales de quand datait la maison. C'est pour ça qu'on a pu précisément appeler la maison 1900. Donc dès qu'on a les clés, je prends la caméra et je vous fais un petit tour de toute la maison et vous présenterai toutes les modifications que nous allons réaliser. Allez, à bientôt.